Bonjour à tous, il y a quelques temps de ça, ça fait quoi, une semaine et demie je crois, j'avais fait une vidéo en disant « Waouh, la galère, j'arrive pas à récupérer ma thune sur Binance ». Bon, finalement j'y suis arrivé, c'était ouais assez simple, il fallait bien, comme j'avais dit dans la vidéo, le mettre en USDT. En fait, le jour où j'ai fait la manip, je sais pas, alors peut-être parce que je venais de se vendre le Solana, vous avez peut-être pas fait la vérif, j'en sais rien, ça ne marchait pas. Deux jours après, j'ai réessayé et là, Eureka, le transfert c'est fait. Donc j'y récupérais pas beaucoup, une centaine d'euros pour faire le test. Et effectivement, c'est arrivé sur mon compte en banque très rapidement. Le lendemain, même pas, c'était le jour même, je crois, j'ai fait le matin. L'après-midi, c'était sur le compte de ma banque. Donc il n'y a pas eu de souci finalement à récupérer mon argent. Donc finalement, voilà, c'était pas, ça marche très bien. Alors je n'ai pas utilisé la méthode, hein, comme je vous disais, où on va directement via l'application sur mon compte en banque. J'ai bien fait celle qui coûte 1 euro. C'est que tu en as une autre où effectivement tu passes via l'application pour aller sur ton compte en banque. Celle-là, j'avoue que je n'ose pas la faire. C'est un petit peu moins cher, ça coûte 0,50. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire une vidéo un peu pour rectifier un peu ce que j'avais dit parce qu'effectivement, ça pouvait un peu porter préjudice à Binance. Ce que je vais faire du coup, je vais te supprimer l'autre et laisser celle-ci. Donc, c'est faisable. Après, bon, moi, c'était des petites sommes que j'ai récupérées. Je ne sais pas ce que ça donne si tu veux récupérer, je ne sais pas moi, 10, 15 000 euros. Est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est plus difficile? Pour moi, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'effectivement, il faut les mettre en USDT. Et là, à ce moment-là, ça, vous les verrez apparaître en euros. Et après, du coup, vous faites la transaction. Et effectivement, en fait, ils prélèvent la somme. En fait, la somme, c'est pas 1 euro, c'est 1 dollar. En fait. Donc, du coup, c'est comme ça qu'il marche en US dollar T. Par contre, les problématiques par rapport à Binance et surtout WhatsApp, bon, ça fait quelques temps qu'il n'y en a pas eu. Mais j'ai eu quand même pendant quasiment un mois ou peut-être 15 jours des soucis. De groupes qui ont été créés avec mon numéro de téléphone qui avait un rapport avec Binance, ou avec les cryptos en tout cas. Il y avait un des comptes où c'était bien marqué Binance et d'autres c'était marqué de l'IA, IA crypto et des trucs comme ça, où effectivement, ils te, je sais pas, ouais, c'était des groupes où tu peux pas dire grand chose au départ, après tu pouvais parler, puis c'était beaucoup de gens qui se demandaient d'où ça vient. Il faut savoir que c'était des gens qui étaient même anglais, vous voyez, ceux qui parlaient en fait, c'était principalement des anglais. C'est même pas des Français. En fait, ça aurait pu être des fuites, hein, des fuites, je sais pas, une administration française. Mais non, même pas, parce que là, il y a beaucoup de numéros de téléphone. Les gens qui parlaient, c'était en anglais, hein, qui se posaient la question, disaient, mais vous l'avez sorti d'où, mon numéro de téléphone? Donc, moi, mais ça reste que mon avis, j'ai quand même l'impression que ça venait de chez Binance. Mais bon, peut-être que je me trompe, hein. On l'a vu aussi dernièrement, Binance, son ancien PDG, a eu de la prison, je crois, avec sursis. Hein, donc on voit que ben, beaucoup de têtes sont tombées, hein, les crypto-monnaies, hein, et USBF il y a très peu de temps, bon, il a pris beaucoup plus lui, CZ hein, du coup qui a aussi pris de la prison, CZ je ne sais plus c'était pourquoi, il n'est plus PDG maintenant de Binance, hein, il est parti. En tout cas on voit que ça change, hein, sur les crypto-monnaies. Par contre on voit aussi que les crypto-monnaies ont beaucoup chuté après le halving, c'est ce que je pensais, c'est pour ça que j'avais récupéré ma position sur le Solana, hein, j'avais une plus-value de 250%. Je me suis dit, je la prends. Ça sert à rien d'attendre. J'ai bien fait. Après, j'ai laissé mon Bitcoin, hein, qui est en stacking, et j'ai laissé 50 euros pour reprendre un peu de Bitcoin. Après, je sais que j'ai eu des commentaires un peu moqueurs, mais en fait, j'ai pas beaucoup d'argent sur les crypto-monnaies. Hein. J'ai très peu d'argent. Le principe, le gros de mon argent est bien sûr sur les marchés financiers boursiers sur mon PEA. Voilà, bon, cette fois, un peu le point sur cette problématique Binance qui finalement est résolue. Il n'y a pas de souci. Même WhatsApp, en ce moment, il n'y a plus de création de groupe. Donc, c'était juste un passage. Mais je me demande quand même où est-ce qu'ils ont récupéré mon numéro de téléphone. Sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.